On a vécu des moments si terribles, vraiment difficiles. C'est pour la première fois qu'on a vu tuer les gens. On a vraiment souffert. Et jusqu'à actuellement, les peines, ça reste encore. On ne peut pas imaginer le douleur qu'on a vécu. Nous, les enfants, on a beaucoup souffert pendant la guerre. On ne mange pas à nos fins. On n'a pas le médicament pour se soigner. Moi, je me demande, la RC, à travers ce conflit-là, la RCA peut développer va-t-elle comme d'autres pays centraux, d'autres pays au monde entier. Toutes les structures destinées à notre éducation sont vandalisées. Nous, les enfants centrafricains, ont connu une guerre pendant 3 ans. Toutes les bibliothèques ont été détruites, toutes les choses ont été saccagées. On est obligé de s'asseoir sur la terre pour faire le cours. Moi, je suis à la bibliothèque, je suis à livre, quelques ramènes, livres, sur mon petit mot, je suis exploité, mais mon petit mot, livre, on a fait. Et sur quoi, mon petit mot d'outil, je suis un établissement, je veux dire, que bien, mais je suis un peu. Nous voulons étudier. Nous voulons avoir le temps d'étudier. On a besoin de votre aide dans notre école, puisqu'on a besoin des matériels. On a besoin des cahiers, des bics, de reconstruire notre école. Dans l'école, il fallait avoir des matériels qui peuvent nous permettre à travailler. Donc, nous avons dit moi, comme on fait du temps, nous disons bon tout le monde. Les gars qui étaient école, n'a été ou école, après dit les gars qui étaient école, tout le monde peindre. Bah, qui n'a été rendu, moi qui aura à ouah dans 12 jours, et puis n'a béni, mon petit aura à livre, mon petit mon livre, on y, mon permettre, y a ni, mon dit qu'on y. Faut que notre école doit être propre. L'éducation, faut bien enseigner. On peut parler de l'économie, de technologie, du développement. S'il n'y a pas d'éducation. L'éducation nous permet de comprendre des choses dans la vie, à poursuivre nos études et devenir quelqu'un dans le futur. L'éducation est une zone qui n'a pas d'éducation. Un enfant a le droit à l'éducation. Nous réclamons nos droits qui sont bafoués. Nous voulons à ce que notre voix soit écoutée partout dans le monde et qu'on nous offre une meilleure éducation en RCA, c'est ça notre cri. L'unité, solidarité et dignité, c'est ça notre slogan, nous les enfants sont trafiqués.